Merci en pile et tout le monde pour attention nous qu'on y a nous passer qu'on en bail Mario et puis avec nous-mêmes pour questions. Merci en pile. Merci en pile que nous bonne opportunité ça pour que moi vienne parler nous un petit peu de film ça et parler nous un peu de qui ça a représenté et pour réaliser film en Haïti qui pas un bagage qui facile et puis sujet film ça tout qui c'est un sujet et très important. Moi-même, comme cinéaste et, ou bien documentariste, moi qui peut se faire film documentaire, et quelquefois, il y a un sujet qui m'a inspiré, moi, que j'ai aimé faire recherche sur lui. Mais souvent, c'est l'autre monde qui vient porter sujet baou pour dire mais nous t'aimerions que vous fassiez film ça et c'est ça y aurait en français on commande ouais l'enca film ça que nous fait regarder là c'est un film que c'est grâce à l'ambassade la pays la Suisse en Haïti. Tu as gagné un ambassadeur qui était ici, là, ou madame qui était relée, madame Edita Vocral, qui était venue voir un autre film que moi j'ai fait. Et puis, il m'a demandé si je t'ai intéressé faire un film sur forêt en Haïti. Bon, moi j'étais un petit genre étonné parce que tout le monde connaît que Haïti gagne une réputation de un pays déboisé, ça veut dire que il coupe tout pied bois, pas gagne pied bois. Le lidim fait un film sur forêt. Moi-même me demandé mais qui forêt qui était? Ouais. Moi pas de vle faire film ça parce que me paraît même faire film et que c'est l'autre monde qui m'a demandé me faire parce que et ça est les films institutionnels. Film institutionnel, c'est qu'il y a plusieurs mondes, cap duo, mais qui j'en pour faire film. Enfin, il y a trois capitaines sous bateau. Et là, il y a trois capitaines sur bateau après aller dans toute direction. Et en ce sens, je dis non, 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 monsieur de la Tour, ce n'est pas ça nous voulons. Non, 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 non. Nous contravaillons. Nous voulons que vous fassiez un film d'auteur pour bail point de vue pas. Ok, moi dis, moi t'apprends le pays Allemagne. Moi dis, bonne documentation. Avec documentation, le mri vient en Europe. M'ap ka li toute documentation. Et puis après, ma fait nos propositions. C'est comme ça que moi arrivé Berlin. Pendant que moi Berlin, moi li un paquet de documents que m'étais sorti Haïti avec lui. Et puis le mri retourné en Haïti. Moi dit ambassadeur, me dit mais qui ça me croit que nous t'a qu'à faire? Et il se trouve que ambassade là t'a financé un livre de un agronome économiste un monsieur qui relait Alex Belland. Il t'a financé un livre que lui écrit sur déforestation en Haïti. C'est-à-dire tout phénomène de couper pied-bois. Et donc, monsieur, ça, moi, pas de connaître. Et il y a un Suisse, l'ambassade là, qui dit, moi, que faut à rencontrer monsieur, peut-être que le cas aidé. Moi, dit, oui, absolument, parce que nous-mêmes, cinéastes, jeudi, à nos cas, font film sous pied-bois, de même qu'elles font film sous train. Après de même qu'elles font film sous fusée. Donc, nous pas fait avec et ça nous a révélé toute connaissance. Il faut que nous ayons un consultant. Donc, l'emprunt un film que moi travaille sur lui, que moi pas gagne un consultant.
c'est très important qu'au bon consultant, c'est un monde qui connaît sujet et qui pourra le guider ou et qui pourra l'apprendre et puis ou même on pourra le faire ça. On pourra le tendre. Et ben c'est comme ça nous ouais même Hollywood, le Hollywood a fait un film toujours gagne un consultant. S'il a fait un film sur l'armée, eh ben bon, producteur ka pa konnen, directeur ka pa konnen, faut toujours bon consultant ka di yo men ki jan ba yo fait pour rapprocher le plus près du réel. Donc moi passé un an et demi à travailler avec monsieur Alex Bellon qui c'est un agronome, son économiste tout. Et puis lui-même lui écrit un gros livre comme ça sous sujet hein, qui dit que image que yo bay Haïti surtout haïtien yo plus précisément paysan yo hein paysan yo que paysan yo c'est des moun qui a détruit la nature, c'est des moun qui sauvage, c'est des moun qui vraiment et dangereux pour l'environnement. Monsieur lui-même, Monsieur Bellon, lui dit non. Bien au contraire, faut faire très attention, parce que paysan, si gagne un monde qui connaît pied bois, c'est paysan. C'est pas tout pied bois que paysan est coupé, parce que paysan lui-même dépend de pied bois. Et très souvent, lui dit, leur prend photo. Satellite, yo montre que tout pays a tête chauve quand moi même. Eh ben, c'est pas toujours vrai. C'est pour nous garder qui gens que paysan yo fait ça américain un cluster, hein, des petits groupes de pieds bois que yo besoin yo connaît que yo ka vann zaboka et mangue et toute qualité fruit. Piedbois ça yo yo pas détruit. Donc si ou fait ou réunit tout petit cluster ça yo toute zone côté gain végétation ou à point que Haïti vraiment c'est pas 2-3% ou 3 ou 4 ou 5% de couverture végétale les plus près de 29%. Ça pas veut dire que Haïti pas un problème déforestation mais li parlons un point qui vraiment désastreux net li parlons un point qui catastrophique net li parlons un point côté que pas gain espoir et maintenant qui ça qui passé c'est que pays hein, c'est un petit pays qui fait 27 000 km². C'est à peu près grosseur l'état de Delaware ou peut-être Maryland. Hein? Donc, c'est un petit espace avec une population qui a grandi chaque jour. Et nous parler de ça, l'enfime, là. Nous parler de phénomène surpopulation. Mais bon, l'autre bagaille tout pour que nous connaissions. Pays ça, qui relie Haïti, le li dérapé dans l'histoire li dérapé avec deux qualités moun et deux qualités vision de qui côté nous voulons aller. Te gagnon classe moun qui yo même te petite blanc mais maman yo te esclave souvent blanc français yo te kon pran yo voye yo à étudier en France donc nous ka di moun sa yo te recevon éducation. L'œil au tourné, il dit mais faut pays à t'aller en direction ça, plus près l'Europe. Maintenant, t'es gagné vraie population haïtienne là, qui t'est descendant 500 000 esclaves que blanc français t'est mené ici quand qu'on ça nous t'a carré les combustibles, c'est esclaves là, c'est les cap fait moteur à travail et blanc français eux vers la fin de l'esclavage en Haïti c'était 50 000 esclaves chaque année donc yo mouri nous travaillons
et nous voyons chercher l'autre. Eh bien, 500 000 moun sa yo, yo même, yo le yo te levé pour yo goumen contre un système qui était injuste, un système qui est brutal, sauvage, et qui pas humain du tout, qui était l'esclavage. Yo pas goumen seulement pour liberté yo, yo goumen pour que yo ka retourner la caillou, pour yo retourner en Afrique. Parce que nous pour indépendance nous en 1804 gen bateau esclave qui t'a venu juste 1800 1801 1802 1803 et le esclave t'a venu c'est monde qui capable travail jeune garçon 18 ans 20 ans 22 yo pas connait rien de Haïti yo voulait retourner la caillou donc pays ça vinn gagner deux vitesses. Et il y a des choix qui fait quelque part. Il y a des choix qui peut-être pas de bons choix, mais qui viennent faire que il y a toute une majorité population que nous avons dit que yo marginalisé. Yo mette yo en dehors, yo quitté yo dans zone rurale, yo pas jamais occupé. Le fait d'être que yo pas jamais occupé, yo pas jamais ba yo éducation. Yo pa jam fè l'école pou yo, yo pa jam ba yo possibilité pou que yo ka vin de vrais citoyens, yo pa formé des citoyens. Donc c'est très facile pour dire que moun yo c'est sauvage que yo est, que c'est yo k'ap coupé pied bois. Eh ben l'an film ça nous te vè rend un peu paysannerie hein, c'est-à-dire moun rural là côté qu'un paysan yo. Même si c'est un terme que m'pa fin trop rien mais servi avec lui, li ka on j'en paraît péjoratif, ouais. Mais moi nous te voulais montrer que yo même tout yo gon grande connaissance de l'environnement. Et ça c'est pas pour nous sous-estimer ça. Et mon lanka analphabète, c'est-à-dire pas ka lire, pas ka écrire, mais ça veut dire que li pa gen pensée, li connaît bagay. Au contraire, li kon peut-être plus bagay que nous-mêmes qui la université et que moi-même qui fait go université. Donc c'est pas pour nous en Haïti, faut faire très attention. Tout temps son pays qui pauvre, son pays qui gagne pas gagne trop ressources, son pays le peu de ressources qui gagne yo mal utilisé yo. Mais faut non pas généraliser pour que nous penser que tout moun et don pauvreté d'esprit, ça veut dire que moun yo pa ka penser, yo pa ka analyser. C'est peut-être le cas pour certains, mais c'est pas toujours vrai. Donc pour moi même le mental fait film ça, c'était une belle révélation. Il te permet moi aller dans tout arrière pays, aller tout partout sous tout département yo. Avec M. Bellon, qui lui-même est son consultant pour BID, c'est Inter-American Development Bank. Et il fait plusieurs travaux pour USAID. Il fait donc, il connaît le pays bien. Là, tout, au fait, c'est pas un citadin, c'est pas un monde qui vit dans la ville, c'est un monde qui vit dans la zone rurale. Donc, il était important comme cinéaste, comme documentariste, pour que moi aller dans arrière pays avec lui. Et nous-mêmes cinéastes ça que nous fait c'est que nous tendez, nous garder et puis nous essayer comprendre histoire et puis histoire nous pas qu'à présenter un film 3 heures de temps, si nous présente un film 3 heures de temps. Mon a commencé dormir dans le film. Et nous pas qu'à présenter donc, il faut que, par exemple, vous choisissiez un format. Vous avez choisi un format de 52 minutes. En 52 minutes, il faut qu'à raconter contexte, il faut qu'à raconter sujet, hein? Et puis il faut qu'à finir le film là avec une note d'espoir pour que vous ne pas déprimer le monde. Moi-même comme haïtien américain parce que m'gain tous les deux moi
Moi de parents haïtiens, moi font partie l'an vimisit, moi grandi aux États-Unis. Jean Retap dit nous l'introduction. Moi grandi New York, moi fait études moi Californie et mal UCLA, moi travaille Hollywood, moi travaille Miami, moi travaille plusieurs côtés aux États-Unis et moi choisi pour moi retourner en Haïti et pour moi côté que gain des sujets que m'ta remé et raconter. Si m'étais resté aux États-Unis, ça peut-être très difficile pour me raconter sujet ça, donc moi dit bon venir en Haïti. Pour moi, ça me ka fè. Et l'ansan sa, mwen te gen pile chance et opportunité pour me te capable de faire film parce que mwen te capable pas qu'à réaliser aux États-Unis. Même ici, là, pour me te faire tout, de pas tap facile. Alors, le nou décide que n'a pe faire film ça, il faut que ou aller l'an sujet pour raconter qui ça qui t'est passé. Alors, l'an contexte là, c'est pour nous voir que Haïti, qui était longtemps époque colonie Saint-Domingue, c'est blanc français yo te gagné à peu près m'ta dit 160 ans et l'en partie et ouest là de île Hispaniola ça nous relé Quisqueya hein? Parce que blanc français c'était tout territoire, c'est ton territoire espagnol. Mais espagnol yo t'est décidé construire plutôt la zone occidentale et orientale plutôt orientale et la zone Saint-Domingue mais yo pas occupé partie et partie à l'ouest là du tout. Donc blanc français vient commencer à bay colon et espagnol yo problème et c'est comme ça que bon là goumen yo fait yon entente, yo fait yon traité. Nous croyons que même l'Église Vatican te l'embagay ça. Yo te rele les traités de Ryswick. Nous croyons que c'est la zone Hollande que ça te fait. Peut-être 1657, si je ne me trompe pas. Et puis, yo divisé l'île en deux parties. Donc, l'Ivin Bay en bagay que quand on sort d'anomalie, on île qui gagne deux colonies. Qui parlait avec des colons qui parlaient deux langues différentes, bien français yo, et puis espagnol yo. Et espagnol yo te gen esclavage tout, français yo te gen l'autre type d'esclavage, ou esclavage qui était très brutal, très sauvage, très pas aucun adjectif que m'ka utiliser pour un décrit travail que colons français fait en Haïti. Et ça fait que yo te vin exploiter et parti Saint-Domingue ça qui pourquoi Haïti y a et puis yo fait tout nous gros factory, yo fait tout nous gros usine, yo fait tout nous yon vraiment un bagage extraordinaire côté que c'est lui même qui a bail toute l'Europe sucre, cacao, toute qualité et produits agricoles. Donc souvent yo dit que c'est zone qui était colonique des plus prospères de la France, mais c'est pour nous voir à qui prix que prospérité ça a vini. Parce que le jodi a un monde qui pas qu'en Haïti, li vini, li gade, li dit ouh, haïtien yo pas go aucun respect pour environnement, gade ki jan tout tête mon yo pas gen pied bois. Et ben mes amis, nous ta remen di nous que phénomène déforestation, c'est pas jodi a que le commencer, li commencer depuis la colonie, là nous dit la colonie depuis le Haïti colonisé par la France. L'en film là nous te wè madame Oriol qui c'est un sociologue qui parlait qui Jean que le français yo vini, yo coupé tout pied bois sous tout mon yo. Yo coupé toute forêt yo pour planter café et leur t'a planté café là époque ça café a yo t'ai planté différemment, c'est pas ou mettre un pied café en bas on l'autre gros pied bois, yo t'ai juste coupé net. Donc depuis temps ça, depuis époque colonie, il y a pas coupé pied bois
Donc ça, c'est très important pour que nous comprenions que phénomène déforestation, déboisement, c'est pas un phénomène de jodi. Deuxième bagage qui est important, c'est pour nous mettre nous dans le contexte où est-ce aussi aux États-Unis grand pile débat sous sujet racisme. Yo parlant pile de racisme systémique, c'est-à-dire que c'est presque un mode de vie. Eh ben, imaginez nous que yon ti colonie qui avec 30 000 blancs, 30 000 blancs, avec peut-être 10 000 mulâtres, c'est un terme genre péjoratif, nous pas utilisé aux États-Unis, même mulâtres, c'est petite blanche, petite noire. Et puis tout le reste là, c'est esclave. Donc, pour moi-même, chaque fois que je lis l'histoire d'Haïti, je dis que Français, ça y est, ils étaient fous. Qui gens que pour 30 000 blancs, contrôler 500 000 moun. Eh bien, qui j'ai été contrôlé, c'est avec la terreur. Ils ont fait mon méchanceté, ils ont fait yo peur, ils ont fait des bagailles horribles. Mais finalement, le système ça a vint éclaté. Et le système ça a vint éclaté, qu'on y a, hein? Haïti vient créer, elle vient prendre indépendance, li, mais ils ont chassé une la plus grande puissance occidentale qui gagne, qui c'est la France. Hein? Pas oublier que blanc français avec blanc anglais, c'est eux qui coupaient le monde en deux. Maintenant, qu'on y a, qui ça qui vient passer? Pour nous comprendre l'affaire racisme, c'est pour nous garder et nous examiner sous angle racial. Parce que Haïti, qui vient créer en 1804, eh bien, c'est 61 ans après que Opralvin abolit l'esclavage aux États-Unis en bas président Abraham Lincoln en 1965. Ça veut dire que Haïti lui-même, depuis 1804, il prend indépendance. Li. Tout près nous là, on peut écrire les Cuba, moins fait que font film Cuba, eh bien, Cuba, il continue l'esclavage. Jusqu'en 1886, ça veut dire que il y a 50 ans de ça, tu es capable de rencontrer un monde qui était fait dans l'esclavage Cuba. Au Brésil, il y a kembe esclavage jusqu'à 1888. Donc nous voyons que Haïti, c'est un pays qui est vraiment et en français, nous relais ça précurseur. Ça veut dire qu'il prend devant. Parce que l'été fait ça, les grandes puissances à l'époque, ils ont puni Haïti. Ils ont puni Haïti. Ce n'est pas un bagage qui est simple hein, pour comprendre la pauvreté Haïti, je veux dire, hein, si vous ne pas remonter dans l'histoire. C'est-à-dire, nous avons dit ça en anglais. They treated us like we were the bad students, the bad kid on the block. Ouais, ils traitaient nous comme ça. Donc, personne pas venu faire commerce avec nous. Ils mettaient sanctions, ou qu'a dit embargo économique. Ils ont pas reconnaître nous comme pays indépendant. Et puis tout le monde à l'époque ça a dit. Wow, this is a joke, a black country. C'est pas possible ça. Ouais. Eh bien bon, ce qui ça qui vient passer, ça qui vient passer, c'est que Haïti pas de gain trop moyen pour que lui exister. Nous well en film là que Haïti obligé à couper pied bois pour que lui vende pied bois. Que Haïti vient un pays exportateur de pied bois. Et on l'autre bagarre pour me dire nous tout, c'est que Français qui était vraiment Français yo fait Haïti en pile mal. Ça son bagay terrible. Non seulement yo fait Haïti mal la période 160 ans esclavage là, mais après ça pour yo reconnaître indépendance Haïti, Haïti était obligé payer pour que yo ka reconnaître les comme pays indépendant. Et comme pays souverain, ça veut dire que moi, son pays.
Et donc, Haïti prend plus de un siècle, plus que 100 ans, plus, pour payer l'argent. Et c'est l'argent ça qui était doué à le développement Haïti. Parce que nous prenons toutes ressources, nous, nous avons pied bois, nous avons bois campêche. Donc, et grand pile facteur pour que nous comprenions, pour qu'ils sachent que Haïti, je dis, c'est un pays pauvre. Ce n'est pas pour nous juste arrêter et nous généraliser. Ah, son bon incapable, son bon monde sort, son bon sauvage. Non, 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 non. Gagnons une histoire pour qu'ils sachent que bagaille comme ça. Et donc, il vient gagner un impact sur l'environnement. Et je dis, bagaille très critique, si nous avons une longue conclusion. Et nous devons montrer dans le film là que il faut que nous travaillions avec les paysans yo, pour que nous encourageons ça yo fait. Nous bail crédit agricole, nous bail plusieurs aides et de façon que nous ne pas quitter zone rurale pour venir concentrer dans zone urbaine, venir faire ça nous les ghettos, venir faire bidonville, venir faire c'est pas possible ça et à venir à Haïti. Et bon, c'est pas en Haïti seulement ça a fait, mais donc nous devons quitter le vraiment film là sur une note positive, hein? On dit que et pays ça des moyens que nous ca répondre à gros challenge, gros problème ça. Ceci dit, nous avons gros challenge parce que le film là nous ouais et c'était un ancien ministre monsieur Ronald Mwemblie non de famille qui dit que le bureau de statistiques en Haïti dit que en 2030, ça veut dire en 10 ans, nous allons arriver 16 millions de monde. Ça, son bagage extraordinaire. C'est bon, bah, une comparaison pour nous comprendre. Moi t'ai dit nous tout à l'heure que moi je fais un film Cuba pendant 3 ans là que me fait finir sur qui gens que ouvriers haïtiens et populariser café Cuba. C'est cubain qui m'a dit me faire film ça, il dit si nous boit café jodi à nous même cubain, c'est grâce à nous même haïtiens. Eh ben donc t'a voyagé partout Cuba et pour faire film ça sur 3 ans. Et ben pendant 3 ans ça, on a dit nous que Cuba li fait 108 000 km carrés. C'est 4 fois superficie Haïti. Haïti c'est 27 000 km carrés et Cuba gagne 11 millions moun. 11 millions moun bien éduqués. Nous-mêmes en Haïti, nous gagnons aujourd'hui, on a dit 12 millions moun. Et puis, en République dominicaine, qui occupait l'autre partie de l'île, gagnait 11 millions de Dominicains qui vivent sous 2 fois superficie Haïti. Presque. Dominicains gagnent presque 2 fois superficie Haïti. Donc, nous avons dit que sur l'île Hispaniola, nous gagnions 22 millions de monde. C'est le double de quantité moun qui gagne Cuba, qui lui-même 4 fois plus gros que Haïti. Donc, nous avons un problème de surpopulation. Et puis, nous avons, par contre, qui mot ça en créole, même t'as qu'à dire une population en anglais, m'a dit ça qui est restless, qui a cherché débouché, qui a cherché opportunité. Et donc, nous avons des gros problèmes. Et je dis à la, nous avons des problèmes côté que nous avons quand même des problèmes pour nous joindre de l'eau. De l'eau qui a vint quand on a carburant, quand on a gaz. Donc, il y a des gros défis pour Haïti. Maintenant, l'autre bail que nous avons parlé avec nous, c'est qui gens que un cinéaste, un réalisateur, un film director, qui gens que li réussi fait film en Haïti, l'on pays qui est aussi pauvre. Un pays qui pas gain institution
Par exemple, en France, il y a une institution qui est le CNC, c'est Centre National de Cinématographie. Eh bien, c'est l'État français qui finance ça pour que bon production cinématographique français. Eh bien, nous-mêmes, nous n'avons pas comme ça en Haïti. Dominicain yo pa gen 10 ans que yo fait congrès par yo, hein, parlement par yo, passer des lois pour encourager ça c'est association et cinéastes dominicains qui mettaient yo ensemble pour mettre pression sur gouvernement par yo pour que yo fait des lois pour yo bay ça nous tarel en anglais tax incentives, hein, pour compagnie Hollywood vin filmer en République dominicaine. Pour compagnie française, européenne, italienne vin filmer. Leur dans l'hôtel, yo pa paye taxes, leur pour machine, enfin tout bagay sa yo. Et puis, yo mette des pressions sur compagnie étrangère yo. Le n'a vin filmer et nous pral prend dominicain comme technicien. Tant de techniciens pour que eux-mêmes yo ka apprendre tout. Et ben c'est comme ça que après tant d'années jodi a là en République dominicaine, yo fait à peu près entre 30 à 40 feature films, yo fait des films long-métrages. Ouais. Et ben c'est pas le cas en Haïti. En Haïti, et pour joindre l'argent pour faire film, chaque fois que moi-même m'a fait un film, et ben on 52 minutes en moyenne, coûte moins entre 125 000 et 150 000 dollars. Son paquet de l'argent, côté où pour joindre l'argent ça en Haïti, eh bien, c'est pour aller des institutions, quand on focal, c'est Fondation George Soros, qui c'est une autre monde qui finance, il a gagné un fonds pour le documentaire. Donc, yo ka bo un petit peu d'argent pour commencer. Ensuite, ou pral wè différents ambassades, ou pral onti jan culpabilize yo, fè ou ta bay l'argent là, pou ta fè ça. Ensuite, ou pral aller dans la classe aisée, c'est-à-dire ça y rele vulgairement en Haïti, la bourgeoisie. Ensuite, ou pral fè des levées de fonds, ça veut dire que ou pral louer yon espace, kote ou pral inviter yon paquet moun. Ou pral fè yon ti film 5 à 10 minutes avec propre l'argent par ou sous sujet hein, pour qu'on dit mais ça nous veut raconter enfin ou pral utiliser toute technique ça yo pour que ou ka joine l'argent pour réaliser film bon. Sinon ouais jodi a m pa gen cheveux en tête mais c'est à cause de ça parce que là et en Haïti en 18 ans moins réussi joen lan yon pays pauvre à peu près 1 million de dollars sous 18 ans. À peu près 1 million de dollars qui c'est l'argent local. Mwen pa jamais recevoir l'argent de Kellogg Foundation. Mba jamais recevoir l'argent de Ford Foundation. Mba jamais recevoir l'argent de Clinton Foundation. Mba jamais recevoir l'argent d'aucune source américaine. Tout l'argent film yo qui yo même raconté sujet mémoire. A fait mémoire là très important parce que en Haïti nous gagnons un pays qui jeune. Moitié population, c'est-à-dire moitié population en dessous en bas 22 ans. Ça veut dire que son bagage extraordinaire. Yo pas connaît période dictature Duvalier, ni période dictature papa et petit garçon, hein, François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Yo pas connaît ça que t'es là avant Général Magloire. Yo pas connaît sous ça que t'es là avant t'es et Dumas s'est estimé. Yo pas connaît rien sous occupation américaine, américain t'es en Haïti. Avec Marines pendant 19 ans, 1915-1934, il n'y a pas rien du tout. Au contraire, il a levé
depuis, m'ta dit, sous président Aristide, yo levé l'an anarchie, yo levé dans le désordre, yo levé l'an sa américain d'arrêler mayhem. Donc, moun sa yo, il faut qu'on travaille yo pour dire yo que nous sommes citoyens, mais histoire yo. Donc, la majorité de films que me fait yo traiter de sujets pour montrer mais qui s'accoye parce que sou pas contre qui s'accoye ou pas contre qui côté ou galé hein? Surtout que en pile pays africain gagne un gros respect pour Haïti mais jodi a yon ti jan triste pour que pays a piqué descend que nous tomber dans l'anarchie totale. Donc, c'est le travail que je fais, et je fais ça pour compte. Je fais ça avec un pile d'autres cinéastes qui sont en Haïti. Nous pas 50 000 cinéastes, non? Nous un petit groupe de cinéastes, ok? Et c'est Youn Ladan. Peut-être Youn qui est plus ancien, mais c'est Youn Ladan. Nous essayons de faire travail ça pour que nous expliquions aux jeunes mes histoires. Et sous différents sujets, nous faisons des films, par exemple, nous faisons des portraits, par exemple, sur un poète. Pour me dire, bon, si vous pensez que ou même vous limitez parce que vous êtes noir, eh bien, gardez poète ça qui a évolué dans les années 40, qui est ou sans Camille. Gardez ça, monsieur, ça a fait. Là, il est à travers le monde. L'écrit poème au Maroc. Eh bien, mon cher, monsieur, son black, monsieur, oui. Eh bien, ou même, c'est pas parce que vous black pour penser que vous pas qu'à réaliser. Garde ça lui-même, l'étape fait. Donc, vous avez fait des sujets pour inspirer les jeunes, pour ne pas arrêter l'ombre côté que vous senti, vous marré, vous ficelé, vous limité. Nous faisons des films tout sur les différents coups d'État qui font tentatives pour renverser certains présidents, pour que les jeunes connaissent l'histoire. Moi fait que se dit nous que moi font film Cuba là eh ben cubain yo même reconnaître que haïtien yo aider yo l'en café aider yo l'en sucre eh ben mais haïtien yo ici tu même yo pas même comme ça donc c'est comme ça que nous même n'a travail et malheureusement pour moi fini là et coronavirus là ba nous gros coup parce que nous même cinéaste c'est pour que nous ca devant yon assistance et que nous avons senti assistance là pour nous regarder film pour gain interaction bon OK Zoom permet nous faire les d'une façon virtuelle mais c'est pas même bagaille là hein n'a prié bon Dieu que n'a pas tourner l'ancienne époque là et donc vraiment c'est ça qui consistait travail moi donc moi bien content que nous mêmes élèves nous intéressés à apprendre créole en conclusion m'a dit nous que créole et on croit qu'il y a peut-être 5 ou 6 côtés dans le monde hein côté où parle créole nous parlons créole qui parlons en Haïti Antilles françaises yo Martinique Guadeloupe bien l'autre île qui parle créole et gen Guyane tout qui parle créole même le Pacifique là on croit l'océan Indien bon île en zone qui relie île Rodrigue qui non loin de île Maurice ou même les Seychelles qui parlent créole. Donc, c'est une langue qui est assez importante. Ou quand dit, c'est une langue côté français au passé, langue ça a existé. Bon, créole, pas de langue, c'est une créole. Moi, c'est pas parce que moi, d'Haïti, que me dit ça, mais je crois que c'est une langue qui est très imagée. Il y a un peu l'image là-dedans. Je crois que le professeur Nyo doit dire nous ça tout, que c'est une langue qui est vraiment très riche. Et puis, qui n'est pas difficile, hein? Moi-même l'envie personnelle pas moi moi gagne un cubaine qui vit avec moi qui c'est partenaire moi le vient en Haïti me fait apprendre parler créole il aimait parler créole et moi-même c'est créole me parler avec lui bon on pratique espagnol moi tout parler espagnol mais nous parler créole et il dégage le très bien donc m'a souhaité nous bon succès et m'espérer on le si jamais nous ta gain moyen pour nous venir en Haïti que me rencontrer nous et bon nous ca continuer discuter donc ma première ancien nous que nous t'ai invité me jeudi à me faire parler ça mais j'espère pas te parler trop merci.
Nous gagnons 20 minutes pour nous poser une question. À moi, je vais mettre une lunette pour moi. Merci. Nick. Oui. Dès qu'on message, je vais poser une question, faire un commentaire. Oui, si pas gagner l'autre monde qui veut aller avant. Allez, nos garçons. Ok. Alors, tout le monde qui la connaît, moi, Nick avec moi, c'est nous-mêmes qui deux professeurs qui a fait deux professeurs dans le programme. Non? Donc, alors, j'ai une question pour Mario, mais avant de me poser la question, je vais profiter de l'occasion pour me dire, Mario, chapeau bas. Je regrette justement ça fait là, dans le contexte, ça, dans Zoom, parce que si je suis en Floride, ensemble avec vous, on a bien l'occasion, bon, gros point la main parce que je vais cacher tout, je vais garder le film deux fois, je vais garder l'avant, et je vais regarder l'encore avec un pile plaisir, et je vais regarder l'encore parce que il y a un pile d'informations sur ce film qui est riche. Donc, c'est un travail de documentation historique qui gagne une importance capitale et qui touche plusieurs domaines, l'histoire, politique, sociologie, écologie, économie et la trier. Donc, d'après moi, toute l'école en Haïti, t'as dû faire les vieux garder le film ça. Parce que c'est un film documentaire qui fait un bel travail de démystification. Donc, c'est un film documentaire qui déconstruit un paquet de discours pseudo-scientifiques, on a dit, sur Haïti. Ainsi, tout sur facteurs externes et puis facteurs internes qui la cause du développement dans le pays d'Haïti. L'offre de l'histoire, il a toujours présenté Haïti, le pays d'Haïti, comme un pays qui était comme produit et puis exporté, si café, cacao, indigo, et la trier, mais. C'est je vis en Haïti, mal l'école en Haïti, me fait université en Haïti. Pas jamais apprendre que bois c'était une denrée qui plus important que pays d'Haïti, c'est qu'on produit et exporter dans plusieurs pays. Et importance ça a gagné et comme facteur qui est responsable du développement dans pays d'Haïti. Donc une information comme ça, c'est il pas possible pour moi-même qui suis professeur dans l'université et qui gagne doctorat, m'pa konn bagay comme ça, mais c'est haïtien m'a fait recherche, m'pa konn elle. Donc si moi même qui professeur qui fait recherche qui pas konn elle, m'a besoin d'où pour jeune nous yo, jeune yo t'a dit d'aller à jeune nous en Haïti qui fait sur Aristide sur, ou bien qui fait sur Jean-Claude Duvalier. Donc pour moi même c'est son film vraiment qui a une importance fondamentale. Donc question que t'as posé Mario, c'est des questions mais gagne on dit que répondre déjà. Donc l'autre question c'est l'aime garder film nan bien et puis m'essayer font résumé font synthèse de raison qui la cause justement ce développement en rapport avec question de déboisement et moi gagne plusieurs facteurs et plusieurs acteurs parmi acteurs ou gagne justement la France ou gagne américain et pour gagner gouvernement haïtien. Parmi toi et facteur ça d'après vous-même qui est-ce qui la cause pays ça a pas fini plus en rapport à cause déboisement, est-ce que c'est blanc français, est-ce que c'est blanc américain, est-ce que c'est gouvernement haïtien? Nous connaissons tous les trois, même d'ailleurs me connaissons si gagne là dehors en termes pourcentage comment qu'a présenté bagarre là. Bon, moi si tu permets, moi t'a dit que et tous les trois gain tort yo, c'est-à-dire tous les trois gain faute yo. Français yo pas oublier nous dit l'en film là que c'était colonie qui était plus prospère, qui est donc c'était ça nous t'a dit Saint-Domingue avant que le te vienne Haïti, c'est ça nous t'a dit en anglais c'est ton cash box qui t'a rapporté en pile l'argent. Et qui j'en ai rapporté en pile l'argent comme ça, c'était avec esclavage. Et nous dit que esclavage là, il était sévère, il était brutal. Et puis esclavage là tout, il quittait en pile séquelles en Haïti. C'est pas parce que vous gagnez 216 ans de liberté qu'on n'est pas esclave, qu'on n'est pas esclave en tête. Eh bien, jusqu'à présent en Haïti, nous avons un grave problème de servitude, c'est-à-dire que moun lan pensait que vraiment
et ou pi gros passé ou son pi gros nèg quatre couleurs peau ceci grand pile problème qui sorti de esclavage là surtout facteur a fait couleur là en Haïti qui c'est une ironie puisque Haïti c'est première république noire donc qui bagay couleur quoi vinn parler là mais bien au contraire problème couleur l'irrité et puis l'irrité quand on bagay qui viscéral et que kounye a 216 ans après nous pas doit l'en traiter problème couleur c'est un bagay qui insignifiant qui pas aucun sens et même moi-même moi tout le temps faut me justifier que moi son haïtien à cause de couleur peau donc c'est son bagay ridicule donc tout ça c'est yon tort majeur de l'esclavage que français yo et quitté là dans pays. Deuxième bagaille avec français yo que nous fait que se font râler sous lit, c'est question de dédommagement de colons propriétaires yo ont pris un prix exorbitant qui t'a dépassé par contre 12 milliards de dollars tout, et puis qu'on payait pendant plus qu'un siècle sont l'argent qui était capable. C'est avec l'argent ça que Haïti était capable de déraper. Donc, et a fait ça, français yo et tué non l'embagaille ça avec gouvernement Boyer en 1820 que n'al signé. Et c'est première fois qu'autant de deux peuples goumen et puis ça gagné c'est lui pour payer ça perdu. Il pas fait sens. Mais c'est à l'époque système économique là, c'était l'esclavage et comme c'était système qui était prédominé époque ça pour que on était capable reconnaître nous et c'est comme ça pour ça t'est fonctionné. Donc ça veut dire que y aurait allé tout sans nous net. Maintenant qu'on y a vinn gagner ça c'est les torts et gagne plusieurs torts encore que nous t'a capable parler de français yo. Même pas là pour moi finir avec français yo puisque bon même moi-même moi gagne sans français l'en comme tout et maintenant et deuxième bagaille là c'est politique américaine là avec expansion américaine après depuis sous époque d'Adi Teddy Roosevelt hein au début du siècle dernier bon nous même haïtiens nous pral venir sous tort par nous tout oui même pour concentrer plus sur ça qui est passé ici. Eh bien, Américains ont venu, c'est en 1915, et puis ils sont partis en 1934. Pas oublier que ce n'est pas en Haïti seulement que les Américains sont venus. Américains sont allés, ils sont allés au Panama, ils sont allés au Nicaragua, ils sont allés à Saint-Domingue, ils sont allés à Cuba, même, c'est pratiquement quand on est à Américain. Mais Saint-Domingue, lui-même, il est arrivé en 1916 et puis il est allé en 1924. Il fait à peu près 8 ans en République dominicaine. Pendant 19 ans, ça y est, que les Américains ont occupé Haïti, il y a peut-être des détails que vous-même ou pas connaissez, mais m'a expliqué un peu qui ça qui était décidé. C'est comme si m'a dit l'occupant qui est puissant, qui a moyen. Et militairement très et capable américain yo yo gardé topographie Haïti yo gardé si yo dit son pays montagneux son pays qui gagne pied bois et bien et nous pas qu'à faire gros agriculture là nous pas qu'à faire et plantation sucre nous pas qu'à faire gros plantation comme ça vinn al faire ça en République dominicaine côté que yo même yo gagne plus plaine. Il y a plus de terrain. Et puis, il y a son hypothèse hein, que je vais là. C'est comme si on t'a dit, mais qui est-ce qui va planter? Et qui est-ce qui va récolter? Qui est-ce qui va couper? Et puis, canne, par exemple. Ou l'autre monde doit dire, eh bien, nous faisons haïtien, nous faisons travail ça. Il y a une tradition esclave, de toute façon. Donc, depuis son occupation américaine, ouais tendance ça. Que pour y pas investi en Haïti, mais pour y aller investi en République dominicaine. Ouais? Bon, il y a peut-être des autres facteurs, tout oui,
peut-être avec tout le respect que j'ai pour le peuple dominicain, je n'ai pas dit ça pas correct, mais il y a quand même que la République dominicaine, son pays qui est métissé, qui a différents types de monde, que les paroles black, 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 black. Donc, on a mis le cob nous là. OK? Et puis, quand nous avons les Dominicains, ils ont le plus content de travailler avec nous que les Haïtiens, les contingents plus nationalistes. Ouais? Bon, même, en même temps, tout, c'est les Américains qui prennent mettre pression sur les différents gouvernements cubains pour faire une main-d'œuvre caribéenne rentrer, venir couper con à Cuba, bien avant la République dominicaine. Parce que pas oublié, Cuba plus gros longtemps lui-même. Cuba a 100 usines de sucre. Hein, ce n'est pas la République dominicaine. Ouais. Eh bien, il a fait une force rentrer à le travail et force a été composée principalement de Haïtiens. Il y a des gens qui étaient de Barbade, qui étaient de Jamaïque, qui étaient de Saint-Kitts, mais gros main d'œuvre là, c'est Haïtien que l'était. Et maintenant, quand il y a là, et ça que les Américains ont fait tout pendant 19 ans, ça, même si ils ont quitté des infrastructures, des bas, mais ils ont fait des bagailles qui ont mené un racisme qui était institutionnalisé. Par exemple, ils ont fait l'armée d'Haïti longtemps, ou après tout gros échelon armée, c'était des mulattes qui étaient là. Ça ne veut dire que pas de officier noir, non, mais en grande partie, c'était ça. C'est parce que les Américains, pendant 19 ans, ils ont dit, c'est presque comme ça. Hein? Y a l'on famille, y a l'on famille par où, yo dit, for yon ta yon prêtre, for yon ta yon avocat, for yon ta yon officier dans l'armée, for lot ta yon ingénieur. Vous comprenez? Pour yon mette yon tout l'an cornerstone société, hein? Pour que bon système qui était en place. OK? Bon. Et puis maintenant, après ça, là, pendant occupation américaine finie, mais vin gen la guerre froide. Et dans la guerre froide là, yo vin supporter Duvalier. Mais dans la réalité américaine, yo pas concerné vraiment par Duvalier. Yo juste besoin yon moun ki fort pour pas gon deuxième Cuba. OK? Donc maintenant yo supporter un régime rétrograde, un régime barbare, sauvage. OK? Qui réprime les gens. Mais ce n'est pas ici seulement, il était fait à travers l'Amérique latine. C'est une politique de guerre froide. Donc, bagay ça a quitté des gros problèmes. Parce que pendant la dictature, la première dictature, François Duvalier, eh ben, tout cerveau pays a parti. Parce que cerveau pays a parti depuis dans les années 60, le gain répression politique en Haïti. C'est comme ça que moi-même, à l'âge de 10 ans, je me retrouvé au Congo. Qui ça, un jeune Haïtien, 10 ans, a fait au Congo? Hein? Maman, ma papa, m'a été professeur là. Tu vois? Maintenant, troisième et dernier bah, là, pour répondre à la question, là, c'est nous-mêmes Haïtiens. Ben, nous-mêmes Haïtiens, nous avons pile tort, nous avons tendance pour que tout le temps, on dit, mais l'international, c'est blanc, c'est ceci, c'est cela. Sans que nous-mêmes n'ont pas gagné une vraie idée de qui ça que nous voulons et qui ça qui côté que nous voulons aller tout ça on a vécu actuellement là Kounia. Et pour finir en conclusion m'a dit que m'étais gagné opportunité vivre au Japon. Moi vivre au Japon 3 ans. Pendant moi au Japon, moi apprendre que tout asiatique gagne ça relé groupe mentality, yo gen l'esprit du groupe. C'est ça que groupe l'a fait qui est bon pour communauté. Et ben nous-mêmes c'est juste le contraire. Nous-mêmes en Haïti, c'est l'individualisme. Donc on gon individualisme qui a outrance en Haïti qui permet que pas gen une pensée collective, pas gen monde qui a pensé pour le plus grand bien de la collectivité. Tout le monde a pensé personnellement. Donc ça, je crois que c'est un gros tard. Il y a plus de jeunes qui ont parlé, mais je crois que c'est un gros tard de Haïtien. Merci, Empire.
Gen lot kesyon? Nou gen 5 minute ankor si ou gen yon kesyon ou Mario. Semble yo comprenne tout bagay oui la. Si pa gen kesyon se paske yo comprenne tout bagay. Nou ta souwete ou Mario ou kenbe promes ou paske nou habituellement nan kou ete yo nou mene etudyan pendant 2 semaines Haïti nan fin koua. C'est à cause de la construction qui fait, nous fait 2 autres semaines ici. Non. Et bon, nous sous Zoom. Mais en général, nous allons aller à Haïti. Donc, je suis toujours resté en contact avec vous. Chaque fois, nous allons aller à Haïti pour rencontrer, pour étudier, capable de rencontrer avec vous. Avec plaisir. Oui, merci pour offre là. Donc, on va l'occuper en pile. Et moi content intervention Frenan sur et à film là, mais il y a un autre aspect qui est important là dedans, c'est aspect côté yo toujours présenté Haïti tant que Jean ou dit en deux monde calé qui pas gagne pied bois dit tout là dedans parce que tout pied bois fini Haïti son désert, gagne monde c'est ça yo était toujours pensé. Et film là montre gagne un problème et déboisement, mais ça pas veut dire Haïti son désert. Et côté où aller ou joindre espèce mon a conservé et avec ni pied bois ni oiseaux etc. Donc ça c'est un aspect qui est important tout pour mauvaise conception mon a si maillé sur un pays en Haïti. Donc ça coup Frenan dit c'est un documentaire qui est important en pile et peut-être nous capable toujours parler sur documentaire ça qui j'en nous ca exploiter li et nan kad kou kriol nan pansye. Bon, m'espere yon lot fwa mwen ka prezante nou yon nan lot film pam yo en versyon kriol. Hein? Et puis, non, mwen kwa li tre bon paske sa permet ke etudyan yo wè dout aspè de histoire d'Haïti ke nou pa rete lan deba stéréotyp de pauvreté qui c'est pas Haïti plus que pauvreté, ouais. Gen pauvreté c'est vrai oui, mais c'est pas gen l'autre bagaille, ouais. Gen l'autre bagaille qui plus nous songe m'a boy une petite histoire. Moi j'ai travaillé en pile pour télévision danoise et Danemark son petit pays 5 millions moun, mais il est très riche. Donc, yo te gen l'argent pour production, télévision, documentaire. Donc, yo te travay pour yo pendant 10 ans. Et puis, m'son j'ai un lè, nou tal fon tournage en Afrique du Sud. Et puis, nou tal e Cape Town. Et puis, en dehors Cape Town, nou te sensé pour aller dans ghetto qui te pi enragé après Soweto. Et puis, yo dim que goun million moun là. Et que fermé et porte machine bagay crime. Et puis là nous rivé là, oh, moi bien saisi, moi toute route asphaltée dans le ghetto, moi toute route bien asphaltée, gain service pour ramasser et fatra, même gain de l'eau, gain tout bagay, bon kayo tikay, ouais. Et puis me dit même mes amis, mais si c'est ça qui pi mauvais ghetto, moun yo pa konn nous pas qu'en Haïti, parce que Haïti nous-mêmes, pour qui ça m'a raconté ça, c'est parce que nous sommes un peuple qui est résilient en pile. Nous connaissons. Lorsqu'un Haïtien a 80 ans, il faut un ballon médaille. Qui j'en fait vivre, arriver 80 ans. Ouais. Donc vraiment, nous-mêmes, nous sommes un peuple de résistants. Des gens qui sont très courageux. C'est ça, m'a dit, soit Haïtien. Ouais, que nous sommes très courageux. Voilà. Et sur ça, ben, ma première c'est nous, et puis ma première c'est Linze, ma première c'est Marley, ma première c'est tout le monde et tout étudiant. Yo. Moi, j'espère que la prochaine fois, nous allons rencontrer, et moi-même, moi là. Merci beaucoup.